Salut à tous, bonsoir à tous. Voilà, soir nouveau live sur la cabale. Voilà. Qui apparemment l'autre fois a bien plu. Donc on va recevoir de nouveau Sam, comme l'autre fois. Donc celui qui a fait 15 ans de cabale, 15 ans d'études dans la cabale. Donc bon, je tiens à repréciser que tout ce qui va se dire dans ce live n'engage que nous. On n'a pas la prétention d'être des kabbalistes ou, enfin, en tout cas, moi, de mon niveau, j'ai pas la prétention d'être un kabbaliste. Je suis ni prof de kabbale et je l'ai pas étudié pendant autant d'années que Sam. Je pense pas que Sam non plus se revendique prof de kabbale. Mais en tout cas, voilà, on va essayer d'explorer un peu de sujet, l'approfondir. Et puis, donc, dans un premier temps, on va parler avec Sam et Prima, s'il nous fait le plaisir de monter, de tout ça. Et puis, dans un deuxième temps, pendant qu'on en discutera, on essaiera de recueillir les questions et de voir les plus pertinentes. Et puis, dans la deuxième temps, on fera monter bah, les personnes les plus pertinentes pour essayer de débattre un peu sur ces sujets. Donc, voilà. Donc, bah, voilà. On va commencer, je vais accueillir Sam déjà. Donc je le fais monter. Salut Sam. Salut Angie, ça va? Salut. Ça va et toi? Ça va super bien. Bon, je ne sais pas si Prima a reçu l'invite. Je lui ai envoyé, donc j'espère qu'il. Il était chez comment il Ah s'appelle? ouais, il était. Koiba, il a dit? Ouais, il était chez Fred, ouais. Je sais Hop. pas si c'est fini. Ouais. Bon, bah, il montera de toute façon dès qu'il veut, hein. Il a Ouais. l'invite, il aura juste à monter. Bon, bah voilà, je vais te laisser bah, commencer en introduction, parce que je pense que tu avais déjà préparé quelque chose, donc je vais te laisser Ouais, commencer, puis ça je vais me roule. muter. Voilà. Allez, je te laisse la Ben, parole. déjà, je suis très content de pouvoir venir parler de la cabale authentique un petit peu en public parce que c'est un domaine qui est assez méconnu. Il y a beaucoup de croyances dessus. Donc, quand je dis cabale authentique, donc c'est de cabale sourcée, donc qu'on peut remonter de maître à élève. Donc, moi, je l'ai appris dans une école auprès d'un rave, donc une école en Israël, l'école Bnei Barour. Et donc c'est de la cabale lourianique. Donc mon maître qui m'a appris c'est Michael Lightman, son maître à lui c'était le Rabash, et qui lui était le fils du Bala Soulam qui a écrit le Talmud des Sefirot. Et tout ça descend en passant par Rabbi Akiva et tout ça descend de la cabale lourianique. Donc c'est quelque chose d'assez sourcé et d'assez précis et pas un truc qu'on a inventé dans notre cuisine comme on dit. Et du coup ouais, je trouve ça important de pouvoir éclairer un petit peu dessus, qu'on confonde pas toutes les cabales, parce qu'il y a la cabale hermétique, il y a des cabales magiques et tout ça, il y a des cabales runiques. Et non, je viens vraiment parler de la cabale authentique hébraïque, que j'ai eu la chance de pouvoir étudier directement et de recevoir un enseignement de transmission orale. Alors j'ai donné déjà quelques conférences, quelques cours sur les 10 dernières années à Paris, à Lyon. Et donc je voulais vous faire partager un petit peu là sur Internet maintenant un peu le contenu et une approche on va dire de la cabale sur tout ce lexique qui peut paraître un peu compliqué quand on sait pas de quoi on parle. Avant pour commencer, je voudrais d'abord commencer par lire le poème du Hari, l'arbre de vie, donc qui a été transmis par Raïm Vital, l'élève du Hari. Parce que le Hari n'a pas écrit, hein, c'était que de la transmission orale, c'est Raïm Vital qui a écrit. Donc l'arbre de vie, je le lis. Hein. Donc sache qu'avant la création, seule existait la lumière supérieure, qui, simple et infinie, emplissait l'univers dans son moindre espace. Il n'y avait ni premier, ni dernier, ni commencement, ni fin. Tout était douce lumière, harmonieusement et uniformément équilibré, en une apparence et une affinité parfaite. Quand par sa volonté ont été créés les mondes et ses créatures, dévoilant ainsi sa perfection, source de la création du monde, voici qu'il se contracta en son point central. Il y eut alors restriction et retrait de la lumière, laissant autour du point central entouré de lumière un espace vide formé de cercles. Après cette restriction, de haut en bas,
Un rayon s'est étiré de la lumière infinie, puis est descendu graduellement par évolution dans l'espace vide. Épousant le rayon, la lumière infinie dans l'espace vide est alors descendue. Et tous les mondes parfaits émanèrent. Avant les mondes, il n'y avait que lui. Dans une unité d'une telle perfection que les créatures ne peuvent en saisir la beauté, car aucune intelligence ne peut le concevoir. Car en aucun lieu il ne réside, il est infini, il a été, il est et il sera. Et le rayon de lumière est descendu dans les mondes, dans la noire vacuité. Chacun de ces mondes étant d'autant plus important qu'il est proche de la lumière, jusqu'à notre monde de matière, au centre situé, à l'intérieur de tous les cercles, au centre de la vacuité scintillante, bien loin de celui qui est un, bien plus loin que tous les autres mondes, alourdi à l'extrême par sa matière, car à l'intérieur des cercles, il est au centre même de la vacuité scintillante. Donc là, on a un beau poème du Hari qui donne beaucoup d'images dans la tête. Et donc, je voulais aborder quelques notions pour pouvoir bien le comprendre. Donc, dans la Kabbale, déjà, donc les deux premières notions vont être notre perception de la réalité. Donc, on remet en cause directement notre perception de la réalité, à savoir qu'on est chacun comme une boîte, vous savez, avec cinq sens, cinq capteurs qui nous permettent de capter juste ce que nos capteurs peuvent se permettre de capter. C'est-à-dire que l'oreille pour le son, l'ouïe, l'odorat pour les odeurs, etc. Et il y a une combinaison de tout ça qui se passe à l'intérieur de nous. Mais autour de nous, dans la Kabbale, on décrit qu'il y a juste une seule force, qui est une force de don, en fait, la force de l'amour, ce que le Hari appelle la lumière. Donc cette lumière scintillante est tout autour de nous. Et donc de cette lumière, nous, on reçoit simplement. Donc, on est un programme qui est à l'opposé de la lumière. On est composé uniquement de la réception. On est fait pour recevoir. C'est notre première nature. Et on va approfondir un peu ça. Donc, cette lumière en dehors de nous, il y a un axiome très important en Kabbale qui dit Eno milvado tovu metiv, imenili mili. Donc, il n'y a rien hormis lui. Il est bon et bienfaisant, mais si je ne le fais pas pour moi, qui le fera? Donc, il n'y a rien hormis lui, ça veut dire il n'y a qu'une seule force. En fait, et je suis censé me rendre compte petit à petit en me reliant à cette force que seule cette force-là existe, que autour de moi, en fait, tout autour de moi, tout est création, tout est créateur, pardon. La création, c'est moi. Donc moi, je suis la créature à l'intérieur de moi avec mon monde intérieur, ce qu'on appelle ce monde-ci, le monde intérieur, mon monde intérieur, c'est ce qu'on appelle ce monde-ci. C'est pas le monde matériel, hein, ce monde-ci. C'est le monde intérieur qui est à l'intérieur de d'un humain. Et donc tout autour de moi, il y a le créateur qui agit, qui fait bouger tout le reste. Donc je suis dans ce rapport permanent, qui est une première limitation, un premier passage dans la foi, qui est de comprendre, d'arriver à accepter, d'arriver à se représenter, d'arriver à travailler sur le fait qu'il n'y a rien hormis une seule force. De cette force, il est dit, on rajoute une deuxième limitation qui, elle est bonne et bienfaisante. C'est-à-dire que je dois arriver à croire que cette force est bienfaisante avec moi et avec toute la création, pour pouvoir aller dans ce sens-là et comprendre et travailler dessus. Et on rajoute, et si je ne le fais pas pour moi, qui le fera? C'est parce que c'est pas une conception religieuse, c'est pas une foi aveugle que je vais avoir. C'est-à-dire, je peux pas dire il n'y a rien hormis une seule force, alors je vais rester allongé toute la journée, puis tout va se passer, je vais ouvrir la bouche et la nourriture va tomber puisqu'elle me veut du bien. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut pouvoir se déplacer soi-même, aller en direction de la force faire des efforts justement pour arriver à entrer dans la force. Donc ensuite de si je peux le donc je vais donner une conception un peu plus kabbalistique de ce texte, le décrire un peu différemment. On décrit en fait que le créateur au début, il a créé quatre phases de la lumière directe. Donc quatre phases de la lumière, c'est-à-dire qu'il a créé un désir. Et lui, autour de ce désir, il a créé ce désir pour venir lui ressembler. Donc, ces quatre phases de la lumière directe sont quatre phases de don. Donc, de la réception pour la réception, qui va être notre état à nous, donc l'état où le créateur s'est restreint en un point obscur, à passer jusqu'au don pour la réception, parce que ce point obscur, il cherche à ressembler au Créateur, c'est notre désir spirituel de ressembler au Créateur, en fait, de ressembler à cette force qui est autour de nous, pour sortir de cette boîte, justement, avec nos cinq sens qui nous limitent, en fait. Il y a une règle dans la spiritualité qui s'appelle l'équivalence de forme, qui dit que si j'ai les attributs de quelque chose, spirituellement, je suis cette chose.
On dit aussi que le créateur a fait l'homme à son image, donc en fait c'est le créateur a fait l'homme avec les mêmes attributs que lui. Donc si l'homme prend les attributs du créateur, il peut faire partie complète de cette force vu qu'il n'y a rien hormis cette force-là. Donc pour ça, il y a les quatre phases de cette lumière qui existent avant notre conception physique, ces quatre phases de désir, donc qui sont d'abord la réception pour la réception, ensuite le don pour la réception. Donc c'est pas vraiment du don parce que l'intention n'est pas pour donner, c'est de la réception aussi. Ensuite, on a le niveau du ce qu'on appelle le niveau du premier temple, qui est ben donner pour donner, mais qui est où là où il y a une incapacité en fait. On peut pas vraiment donner pour donner puisque si on reçoit rien, on peut pas donner. Donc le dernier niveau, la quatrième phase va être recevoir pour donner. Et le niveau de la réception pour le don, ça nous transforme en tuyau, si je peux dire, pour l'énergie infinie du monde, de l'infini, de la lumière qui traverse à travers nous. Donc en premier, il y a ces quatre phases qui sont créées, puis de ces quatre phases, le monde de l'infini. Donc ces quatre phases, elles existent dans le monde de l'infini. Et là, on a un premier... Ouais, bien sûr. Excuse-moi, ouais, plutôt que tuyau, on pourrait dire comme conducteur de à travers toi, quelque chose pourrait passer, quoi. Tu serais un conducteur, Ouais, t'as vu, c'est difficile de trouver un mot exact, mais conducteur, ça va bien, oui. ouais, conducteur, ouais. Excuse-moi. Non, non, bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à me couper. Si je vais un peu trop vite, j'ai vu Prima qui m'a dit ralenti un peu, peut-être que je vais un peu vite. N'hésitez pas, je regarde le chat en même temps, s'il y a des questions en même temps, s'il y a quoi que ce soit et tout, n'hésitez pas à me couper. Donc, de Et ces quatre, oui, donc. pareil, je rectifie tout à l'heure, excuse-moi, mais tout à l'heure, je t'ai entendu parler de foi. Ouais. Et il me semble qu'on en avait parlé l'autre fois que la cabale n'est pas de la foi, n'a rien à voir avec la foi. Bah, c'est pas la foi comme on l'entend dans la Oui, religion, en fait. C'est une c'est pas foi. un dogme, quoi. Non, c'est pas un dogme, en fait. On parle de foi pour des actions. Donc, c'est-à-dire que si je fais quelque chose, je dois avoir une dose de foi dans le sens où je dois croire que ce que je fais va marcher. C'est-à-dire que c'est une condition pour que les choses, elles marchent. Dans les mondes spirituels, en fait, on n'attend pas d'avoir les forces avant de faire une action. On lance l'action, puis les forces viennent en conséquence de l'action qu'on lance. Mais ça veut dire que faire un pas, ça demande ce qu'on appelle un degré de foi. Le degré de foi, il va être tout de suite rattrapé par la raison. C'est-à-dire, dès que je vais réussir, dès que je vais lancer l'action, que les forces vont venir, ma raison, elle va s'emparer de mon action et ce sera plus de la foi que j'ai fait. Ça va être une action raisonnée. Et ça va faire deux jambes pour marcher ou des marches d'escalier. Donc, ça veut dire, je vais passer de la foi à la raison, de la foi à la raison. Mais pas de la foi complète, à se jeter d'un toit en croyant que je vais m'envoler. C'est de la foi qui est utilisée à juste titre et c'est la racine de la foi religieuse. Parce que la foi religieuse, ils ne l'ont pas inventée, hein. La cabale, elle existe depuis 5000 ans. Avant qu'il y ait les religions, les concepts qu'il y a dans les religions, comme la foi, ils ont été tirés de quelque part. Et donc, dans la cabale, il y avait cette version de la foi qui est une atteinte spirituelle qui me permet, sans percevoir exactement où je vais, de quand même faire un pas. C'est pour ça qu'on l'appelle la foi. Mais c'est pas un dogme, j'ai pas de trucs à accomplir, de gestes à faire ou de prières à réciter. Non, c'est juste que, à l'intérieur de moi, dans ma vie, si je veux pouvoir cumuler des forces de don, eh ben, il faut que j'arrive à croire que c'est possible et de m'avancer vers ça. Même si c'est donc dans l'explication, c'est pas possible, c'est une espèce de miracle, mais il faut quand même cette dose de foi pour pouvoir percer justement ce miracle. J'espère que c'est un peu plus clair. Ouais. T'as éclairci mes lanternes. Très bien. Et donc du coup, en premier, on a ces quatre phases qui apparaissent. Donc je reviens sur ces quatre phases. Donc quatre phases de don. Donc la lumière générale, la création, donc le créateur, pardon, le créateur avec toute sa lumière, tout le don. Et au milieu de cette lumière, il fait un point noir. Donc ce point noir, comment il se divise? Il se divise en quatre phases de lumière différentes, donc de la clarté jusqu'à l'obscurité. Et donc entre la clarté et l'obscurité, c'est de la phase du don jusqu'à la réception, donc le don, l'amour, et l'inverse, l'égoïsme. Donc il crée l'égoïsme comme ça. Il crée l'égoïsme, c'est un mot un peu nouveau, hein, on dit etc., le mauvais penchant. Donc il crée ça, le mauvais penchant, avant qu'il y ait une histoire d'être humain, il crée d'abord le penchant. Donc à travers les quatre phases de cette lumière, donc du début du don infini que le créateur lui il est.
jusqu'à qu'il crée donc à l'intérieur cette création qui est en premier les quatre phases de cette lumière qui sont, je le répète, donc la phase la plus obscure qui est recevoir pour recevoir. Donc c'est un ego absolu, je veux juste recevoir et prendre. Ensuite, donner pour recevoir, c'est-à-dire je donne avec l'intention quand même derrière de recevoir. Ensuite, comme en fait, ben, mon dire spirituel est grandi, je veux être comme le créateur vraiment et je vois que je me rends compte que ben, quand je donne, ben, j'ai pas la bonne intention, ça, j'essaie d'avoir la bonne intention, donc je veux donner pour donner. J'arrive à une phase transitoire qui est la troisième phase, donc donner pour donner, qui elle amène directement à la dernière phase qui est le second temple, donc recevoir pour donner. Donc recevoir pour donner qui nous transforme, comme tu as dit, comme un conducteur de l'énergie divine à travers nous. Donc là, on parle pas encore de la création de l'être humain, on parle de ce qui se passe que ce qui est de ce qui est créé spirituellement autour de nous avant que ça se manifeste à l'intérieur de nous. On n'a pas encore de Adam qui est formé, ni même de monde. Non, on n'a pas encore ça. C'est Oui, d'abord ça, juste. excuse-moi, ça revient, Oui, pour bien sûr, bien sûr. simplifier, ça revient à ce qu'on disait l'autre fois dans l'autre live. Enfin, ce que je disais, c'est que avant que ça soit que ça soit créé dans la matière, il faut déjà que ça soit créé dans le spirituel. Comme un Exactement. architecte a besoin de faire, enfin, comme on a besoin de faire les plans d'une maison avant de la créer dans le réel, dans la matière, quoi. Donc ça revient à peu près au même. C'est, il faut le concevoir déjà dans le spirituel pour que après ça soit mis dans la matière et ça rejoint le fameux merde, j'ai perdu mes mots, le fameux adage hermétique, tout ce qui est en haut est comme On est ce comme ce qui qui est est en en bas. bas. Exactement, exactement. Donc au début, on a ça, donc cette création des quatre phases de la lumière directe, donc qui viennent, donc ce qui sont une réfraction de la lumière et qui sont le maximum de ce qu'on peut percevoir du créateur. Donc les quatre phases sont représentées par les quatre lettres du tétragramme, Yud-Ké, Vav-Ké, ou YHWH, ou YHVH selon les traditions. Donc ces quatre phases sont le nom maximum du créateur qu'un être humain peut percevoir. On dit que ce nom est imprononçable parce qu'en fait, si on perçoit pas ces quatre phases, on peut pas prononcer comme si on les connaissait. On perçoit quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc en kabbale, quand on dit imprononçable, ça veut dire qu'en fait, ça n'a pas de sens si on le prononce. Comme un interdit. Un interdit, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Un interdit, c'est un truc qu'on peut pas faire. C'est juste interdit parce que c'est pas réalisable. Donc là, il est interdit de prononcer parce qu'en fait, on peut pas le prononcer vu qu'on comprend pas exactement, on n'a pas relation avec ces quatre phases-là. Ça demande une grande purification pour arriver à ce niveau de perception qui sont ces quatre phases de la lumière directe. La Kabbale, elle utilise donc le langage des, comment on dit, le langage des branches pour exprimer les racines. Donc on utilise les mots de ce monde-ci. Donc on parle d'égoïsme, on parle de mauvais penchants et tout ça, qui sont en miroir avec ce qui se passe vraiment, mais qui sont pas exactement ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment, c'est spirituel, c'est quelque chose qui a plus à ressentir qu'à comprendre intellectuellement, mais on a quand même le langage des branches pour pouvoir l'exprimer et l'expliquer, qui nous permettent de pouvoir baliser le chemin de nos perceptions, de nos sentiments, pour utiliser cette science justement pour arriver au niveau de la perception du créateur. Donc de cette force, il y a des gens qui l'appellent la force, l'univers, on peut l'appeler de multiples façons. Dans la Kabbale, on parle de créateur, on parle de Bohuré aussi, de vient et voit, qui exprime le fait de venir avant de voir, donc pas de voir et d'après de venir, donc de venir avant de voir. Donc le créateur, c'est cette chose-là qui nous promet, entre guillemets, qu'en allant dans le bon sens, il y aura une réalisation. C'est-à-dire que en allant vers l'amour de notre égoïsme, qui lui calcule tous les bénéfices qu'il peut faire, si on arrive à aller vers l'amour du prochain, en fait, ça va bien se passer, très bien se passer pour nous, et c'est comme ça qu'on va grandir. Donc, on va avant de voir, et une fois qu'on va dans ce chemin-là, on peut commencer à voir. Donc, on a ces Un quatre peu phases ce qui qui ra... représentent, pardon. Excuse-moi, je te coupe. Ce qui rappellerait aussi le heureux celui qui voit sans qui croit sans voir. Oui, Voilà. voilà, ouais. Oui. Et donc ça, c'est le nom ultime du créateur. Le créateur est bien plus que ça. C'est-à-dire que la lumière infinie qu'il y a au-dessus de ces quatre phases, c'est encore plus grand, mais c'est pas perceptible. On peut pas, le maximum qu'on peut voir, en fait, c'est le début, donc le tétragramme, le plus grand nom de Dieu, donc les quatre phases de la lumière directe. Et après, entre ce point et là où on est, il y a de multiples noms du créateur qui se révèlent.
Donc c'est pas tout de suite ce nom-là qui se révèle. Il y a plein de noms qu'on voit dans le quand on lit les livres. On parle de Dieu vengeur, on parle de Dieu miséricordieux, etc. Et en fait, c'est par rapport aux phases qu'on révèle de la perception de cette force, on lui donne des noms différents. Et de nom en nom, en fait, on arrive, on grimpe l'échelle des. Donc dans la Kabbale, on explique qu'il y a 125 degrés, parce qu'il y a cinq lumières pour cinq mondes, pour cinq grands récipients de l'âme. Donc cinq lumières, cinq mondes, ça nous fait un total de 125. Donc on a 125 degrés qui nous séparent de la lumière absolue, et sur ces 125 degrés, on révèle différents noms du Créateur à chaque fois. Oui, Alors pas un. c'est ce que j'avais lu, comme quoi à chaque phase de à chaque passage, tu vas appeler le créateur différemment. Exactement. Voilà. Donc ouais. Je me souviens plus Exactement. exactement des cinq exemples qui étaient dit, mais ouais, c'est. Oui, c'est un peu comme au cours de ta bah, un peu comme au cours de ta vie, tu vas avoir plusieurs visions de la chose, entre guillemets, tu vois. Mais la chose n'aura pas changé, tu vois. Mais c'est toi, quoi, ta perception de la chose qui aura changé. Un peu comme l'exemple qui était pris, où, par exemple, quand tu vas croiser une première personne, au départ, tu vas la trouver, par exemple, d'une certaine façon. Quand tu vas la connaître un peu plus, tu vas la juger d'une autre façon. Et encore un peu plus, tu vas la juger encore d'une autre façon. Et en fait, la personne, à la fin, tu te seras rendu compte que la personne n'a pas changé, c'est juste toi qui as changé de regard sur la chose, en fait. Et ta perception, qui a changé, c'est tout. Mais la chose, elle a toujours été là, ou la personne a toujours été là et a toujours été la même, tu vois. C'est exactement le point de vue de la Kabbale qui nous explique qu'en fait, il n'y a que nous qui devons changer, que la lumière ne bouge pas. Comme une rivière qui coule et une plante qui pousse à côté, bah, la plante, elle pousse, mais la rivière, elle change pas, en fait. Bah, c'est pareil, nous, on est la plante qui tirons l'énergie de la rivière. Et en fait, nous, on change nos perceptions, etc. Et on part de très bas, on part d'un égoïsme maximum qui est la perception uniquement de soi-même, complètement déconnecté des autres. À petit à petit un degré des degrés qui se révèlent, qui nous permettent de prendre en considération notre prochain de plus en plus, jusqu'à arriver à voir le créateur à travers notre prochain, qui est l'ultime étape à travers ça. Donc après ces quatre phases-là, donc on a donc la création simultanée du monde de l'infini. Donc en créant ça, le créateur il crée le monde de l'infini. Ces quatre phases, elles résident dans l'infini, du monde de l'infini. Alors, il y a ce qu'on appelle un premier part-souffle. Alors, un part-souffle, comprendre, c'est un concept qui est super important en Kabbale. Le part-souffle, c'est un corps spirituel. C'est-à-dire, c'est un corps qui nous relie les uns avec les autres. On a le corps du part-souffle et la tête du part-souffle. Donc, le corps du part-souffle, c'est nos désirs qui veulent bien se connecter ensemble pour le don. Et la tête du part-souffle, ça va être les intentions de ce désir-là, comment on va le diriger. Donc on a, si je peux donner une image bête, mais je sais pas, dans un pays il y a un gouvernement et il y a le peuple. Ben, on va dire que le gouvernement il est à la tête et le peuple il est dans le corps. C'est un peu cette logique-là, hein, partout. C'est cette logique-là. C'est pas quelque chose qui apparaît. Alors c'est bien important de comprendre ça. On parle jamais d'individu isolé. Donc la Kabbale elle a pas été révélée pour que quelqu'un tout seul monte dans les mondes spirituels, même si c'est des atteintes qui sont personnelles. Mais ça se révèle en groupe. Tout ce qu'on fait c'est toujours en groupe. Parce que c'est écrit à un niveau spirituel où on est obligé de prendre en considération le prochain. C'est simple, dans aime ton prochain comme toi-même, qui est l'axiome principal de la spiritualité, ben sans prochain, il n'y a rien. On est obligé d'avoir un prochain. Donc la Kabbale, elle va nous décrire tout ce qui se passe entre nous et notre prochain. À partir du moment où on a ce désir de se connecter, on rentre dans un monde déjà qui est différent, donc dans le monde de Asya, on le verra après, où on révèle certains mouvements qui se passent donc dans la mécanique spirituelle, qui nous permettent de dépasser notre ego. Et c'est important de se rappeler de ça. On parle pas d'atteinte personnelle, parce que je vois que toutes les digressions que j'ai pu voir sur la cabale imaginaire et fantasmagorique, elles partent à chaque fois d'un présupposé que par exemple que le monde de Asya et Malhout sont le monde matériel et le monde physique, et ils prennent même des planètes à mettre dedans, etc., etc., alors qu'on parle jamais de ça. Ça c'est un truc qui est pas difficile à comprendre, mais qui est je pense important comme clé
pour pouvoir vraiment savoir de quoi on parle et pas tout mélanger en fait. Parce que genre, j'ai vraiment entendu tout et n'importe quoi à ce sujet-là, juste par le fait qu'en fait on comprend pas qu'on parle jamais de l'individu isolé et jamais du monde matériel. Comme tu disais, Angie, c'est pas un roman. C'est pas une histoire, on raconte pas une histoire de quelque chose qui s'est passé physiquement, même si ça s'est sûrement passé. Le but du livre, c'est pas de décrire ce qui s'est passé physiquement. Le but du livre, c'est de décrire qu'est-ce qui se passe intérieurement à l'intérieur d'un être humain, dans sa spiritualité. Comment ça se passe pour l'être humain. Donc on a le premier partouf, donc ce que je disais, le premier partouf qui va s'appeler Adam Kadmon, le partouf de Hack. Donc le premier partouf, c'est celui qui va être l'image du premier Adam, donc l'image de la correction vers laquelle on est censé retourner, enfin aller maintenant nous-mêmes. Et attendez, excusez-moi une seconde. Et donc donc ce premier partouf est censé être l'image que je vous ai dit pour pouvoir se connecter entre nous et arriver à ressembler justement au Créateur. Adam qui vient du mot domé, donc ressemblant. Donc c'est à la ressemblance du Créateur qu'il y a ce premier corps spirituel qui nous dirige, on va dire, de l'intérieur, parce que il existe avant toute création. Donc juste après les quatre phases de la lumière, il y a ce premier corps spirituel qui est créé, cette image spirituelle qui est celle de Adam, pas le Adam, pas Adam Arishon, pas Adam comme on va le voir après, mais l'image idéale, entre guillemets, l'image spirituelle de Adam, le modèle spirituel de Adam. Donc ensuite, à partir de Adam Kadmon, on commence à rentrer dans un monde qui s'appelle les Nekoudim. Donc le monde des Nekoudim, il faut savoir que c'est le monde qui a été brisé pour qu'on puisse découvrir notre libre choix. Donc il y a eu une brisure dans les mondes spirituels, dans les récipients, il y a eu une brisure à l'intérieur des mondes spirituels qui a fait que le monde des Nekoudim, il se brise complètement et qui se brise à deux endroits. Il y a deux brisures du monde des Nekoudim. C'est un peu technique, donc il y en a une en haut au niveau de Keter Hochma Bina et il y en a une en bas au niveau de Tiferet. Mais donc ça, je vais revenir un peu après dessus. Donc le monde de Nekoudim se brise et en dessous du monde de Nekoudim, on a les cinq mondes à ce moment-là. Donc les mondes de Abia. Enfin les quatre mondes, puisqu'on a déjà parlé d'Adam Kadmon. Donc les quatre mondes suivants qui sont Atzilut, Beriya, Yetzira et Asira. Donc pour chacun, donc je vais essayer de détailler un peu plus. Donc Atzilut, c'est vraiment le monde du contrôle de la spiritualité. Comment dire? C'est comme un ordinateur en fait. C'est comme si l'opérateur qui contrôle l'ordinateur et ce qui se passe dans l'ordinateur, ça va être Atzilut. Donc là où il y a tout ce qui se passe, toutes les racines de ce qui se passe dans notre monde, c'est justement Atzilut. Donc on appelle ça le monde de l'émanation. Donc en français, ouais, on a ça, le monde de l'émanation. Donc ensuite, en dessous de Hatsilut, on a le monde de la création, voilà, Beria. Donc Beria qu'on appelle aussi le monde des âmes, où il commence à y avoir une distanciation du Créateur, où on a une perception qui n'est plus complètement fondue au Créateur en fait. C'est-à-dire que quand on est dans Hatsilut, c'est comme si c'est comme être devant le soleil. Et clairement, je n'ai pas vraiment de libre choix si je suis dans un Tsilout. C'est-à-dire que le soleil me fait du bien. Et je reste. Écrivez-le en phonétique. C'est un mot. Ah ouais, pardon. Ah ouais, donc Prima, qui parle hébreu, si vous avez quoi que ce soit comme question sur l'écriture ou peut-être la traduction d'un mot, si moi j'oublie. Vous pouvez vous tourner vers lui, hein, il est dans le chat, après il interviendra en plus. Donc je recommence. Donc on a Atzilut, le monde de l'émanation, qui est un monde de lumière complète, où si je suis dedans, j'aperçois qu'il y a complètement le Créateur. D'accord? Donc ensuite Atzilut, il y a Beria, Yetzira, Assiya, je vais partir d'Assiya et remonter vers Atzilut. Donc quand je passe dans le monde de Assiya, c'est que je découvre une âme à l'intérieur de moi, où je me rends compte qu'il y a mon prochain en fait. C'est-à-dire que c'est le monde où je commence à percevoir qu'il y a d'autres personnes. Je commence à pouvoir me tourner, pas me tourner, mais je commence à pouvoir percevoir une spiritualité et le fait que je ne sois pas tout seul, le fait qu'il y a d'autres gens autour de moi. Je suis sorti de mon inexistence spirituelle, c'est le premier degré spirituel qui va arriver dans Asiya. Yetzira, c'est quand je vais commencer à bouger un petit peu. Donc pour le monde de Assia, on peut prendre comme exemple, pardon, je redescends au monde de Assia, on peut prendre comme exemple le degré minéral des choses. Donc un minéral, il participe à la vie, mais il bouge pas. Donc le monde de Yetzira, lui,
à contrario, le monde de la formation, il va être d'un niveau végétal. Ça veut dire qu'il va pas bouger spécialement, mais il va commencer à se diriger vers la lumière. On va commencer en rentrant dans ce monde-là donc la cabale, elle se travaille en groupe, comme je vous ai dit. Donc quand je rentre dans le groupe et que je suis au niveau minéral, en fait, je peux passer d'une journée à l'autre sans que rien ne se passe et c'est pas grave pour moi. Mais une fois que je suis au niveau végétal, ça commence à me démanger à l'intérieur que le groupe doit commencer à grandir et à se développer. C'est-à-dire que je commence à avoir un degré végétal où je veux me tourner vers la lumière, où je veux que notre désir spirituel se tourne vers la lumière et je veux commencer à agir dessus, à essayer de faire des efforts. Sur justement cette lumière et sur le corps, sur le monde dans lequel on est assis. Ensuite, Yetzira, ce serait le niveau animal. Donc, arrivé au niveau animal, je vais commencer à avoir une existence indépendante. Je vais commencer à pouvoir utiliser mes propres désirs et à commencer à me déplacer moi-même. Donc, en ayant conscience de cette spiritualité et en arrivant, pas encore au degré parlant, qui sera à Atzilut, mais déjà un degré supérieur que le minéral et le végétal, c'est-à-dire que je vais commencer à me déplacer un peu mieux et dans le groupe je pourrais participer pleinement aux intentions et aux désirs de don et faire monter le groupe, faire que le groupe commence à former justement un corps spirituel, un Partsouf, pour recevoir la lumière du Créateur. Et je remonte en haut à Atzilut, j'arrive à Atzilut, donc Atzilut qui est, bah, je perçois le Créateur complètement, donc dans son entièreté, et je me comprends que moi-même, je fais partie du Créateur, en fait. C'est-à-dire que j'ai conscience que je suis une cellule sur 7 milliards, et que ces 7 milliards de cellules font complètement partie du Créateur, sont une partie du Créateur, donc une partie de ce que j'ai dit avant, donc des quatre phases de la lumière, du monde de l'infini, et du Partsouf, donc du grand corps de Adam Kadmon. Donc là, à ce niveau-là, donc là, on a une description des cinq mondes. À ce niveau-là, on peut commencer à imaginer et à voir que, en fait, il y a des actions à faire entre nous et en groupe pour pouvoir percevoir justement tous ces détails. La Kabbale est pleine de discernement, en fait, dans les actions que je dois faire pour ressembler justement à cette force-là. C'est pour ça qu'elle paraît si complexe, parce qu'il y a énormément de discernement à avoir entre nous. Donc, à travers les cinq mondes, donc vous me dites si je vais trop vite, hein, Non, bah, moi, pour moi, je ça lis va. le Après, je chat, sais je pas regarde pour le s'il n'y a pas chat, de... si ça vous va. Non, ça va, apparemment ça va. Donc à travers ces cinq mondes, on a en même temps donc les lumières de l'âme qui passent dans chaque monde. Donc pour le degré minéral, on a Nefesh pour le monde de Assia qui va être la première lumière de l'âme. Alors à savoir que pour le monde de Assia, il va y avoir Nefesh du monde de Assia. En fait, alors je vais dire les cinq lumières de l'âme, c'est Nefesh, Ruah, Neshama, Chaya, Yechida. Et on va les retrouver dans chaque monde. Donc, il y aura Nefesh de Asiya, Ruach de Asiya, Neshama de Asiya, Chaya de Asiya, Yechida de Asiya. Et pour chaque monde, il y aura cinq lumières de l'âme à chaque fois. Mais la lumière de l'âme correspondant à Asiya, c'est Nefesh. La lumière de l'âme correspondant à Yetzira, c'est Ruach. Mais ça marche en fractal, vous voyez? C'est comme si je dois passer chaque degré dans un degré à chaque fois. Pour ça, 5 fois 5 fois 5. Donc, dans le monde de Asiya, on a les cinq lumières de l'âme qui se révèlent, et ces lumières, elles rentrent dans les récipients. Donc, les récipients, c'est les séphirotes. Donc, on voit l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes. Alors, pourquoi cinq lumières alors qu'il y a 10 séphirotes? C'est parce que pardon, C'est le le c'est premier la niveau, séphira, non? pas, Ben en fait, C'est le attends, premier c'est parce que niveau. la Séphira Tiferet, dans la Séphira Tiferet, en fait, elle inclut les six qu'il y a autour d'elle. Donc on a Keter, Chochma, Bina qui est en forme 3. Ensuite, on a Zérampine qui, lui, représente, donc ça veut dire le petit visage, Zérampine. Et Zérampine, à l'intérieur de Zérampine, il y a cinq Séphirotes. Et après, on a Malchut en dernier. Donc dans Zérampine, il y a Chesed, Gvura, Hod, Netzar et Yesod et Tiferet. Donc celles-là, elles sont à l'intérieur de Zérampine, qui forment un niveau, ça forme un seul niveau. Donc dans les lumières de l'âme, on a cinq mondes, cinq lumières de l'âme, et on compte justement cinq degrés de Séphirot, à savoir qu'il y a 10 Séphirot, mais Zérampine, au milieu, il en tient 5 pour 1, en fait. C'est pour ça qu'il y en a 5, il y en a 5 fois 5 fois 5. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je te coupe ça, juste savoir si tu as besoin de Bien sûr. partager quelque chose ou faire des croquis, tu me dis, hein, tu partages l'écran, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà.
C'est juste, si tu as besoin, tu me demandes et il n'y a pas de souci, je te fais partager l'écran. Et je vais essayer de, au fur et à mesure que tu parles, je vais essayer de trouver la doc, au fur et à mesure pour essayer de nourrir le sujet. Ok? D'accord, si tu veux, alors pour tout le monde, hein, et donc il y a un site qui est très bien fait, donc c'est kabbalah.info slash français, et donc il y a une bibliothèque entière à l'intérieur, une bibliothèque de Kabbale, où il y a énormément de matériel à l'intérieur. Donc c'est le site de mon école, hein, et c'est tout à fait gratuit. Et il y a des cours en ligne de Kabbale aussi qui sont accessibles. Tout est gratuit. C'est l'œuvre de Michael Lehtman qui a prolongé la volonté du rabbin, qui était de révéler la Kabbale à la foule, donc à tout le monde, et pas simplement aux juifs. Ah ouais, ça c'est intéressant aussi à dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, la Kabbale c'est que pour les juifs et tout ça. Non, en fait, on parle encore de spiritualité. Donc quand on parle d'un juif, Ichoud, ça veut dire uni. Donc on parle de personnes qui cherchent l'union et qui ont Israël dans le cœur, c'est-à-dire donc Israël du mot de Yachar El, donc Yachar c'est droit, direct, et El Dieu, donc le désir d'aller droit vers Dieu, ça crée l'Israël spirituel. Donc comme on parle de spiritualité, on parle pas de matérialité, donc on parle pas de l'Israël matériel, ni des juifs qui sont juifs matériellement, enfin physiquement. On parle vraiment de personnes qui ont ce désir à l'intérieur d'elles pour se diriger vers la spiritualité. Et donc le Rabash ayant compris ça, il a complètement ouvert la Kabbale à tout peuple du monde. Et dans mon école, on est à ouais, une quarantaine de pays différents qui étudient. Et il y a une traduction, je crois, en 13 ou 17 langues, quelque chose comme ça. Et donc lightman.fr, c'est le blog du... Ah ouais, merci, merci Prima. Lightman.fr, c'est le blog du Rav Lightman, donc ce qui traite tout type de sujets d'information au sujet de l'actualité et qui relie ça avec la Kabbale. Nous abordons notre prochain live, l'âme et l'esprit. Non, non, on en parle. En fait, là du coup, ben, c'est justement, j'en étais en train de venir là. Donc, on a les différentes lumières de l'âme. Donc, à savoir que l'âme, il y a un concept très important. C'est qu'en français, il n'y a qu'un seul mot pour dire âme. Mais du coup, en hébreu, il y a cinq discernements dans l'âme. Parce qu'en fait, ces cinq discernements, ils sont de cinq degrés différents. Donc, je vais me répéter, mais donc le premier degré de l'âme qui est juste la perception minérale des choses, que ah ouais, en fait, je suis pas tout seul sur cette terre. Et le dernier degré de l'âme qui est, je fais partie du Créateur. En fait. Je suis une cellule dans le Créateur et je vois qu'il n'y a rien hormis cette force, qu'elle est bonne et bienfaisante et qu'elle dirige tout sur la terre et qu'en fait, tout est parfait. Donc, une voie de changement intérieur. Ces lumières de l'âme, le fait de pouvoir me modifier moi-même, ça me fait accéder donc aux différents mondes et aux différentes lumières de l'âme. Et de ces lumières de l'âme, de ces endroits-là, je commence à voir le monde différemment. Je commence à voir un monde qui est beaucoup plus intérieur et infini que le monde qu'on peut percevoir avec nos sens, nos juste simplement nos sens et notre propriété égoïste. Donc l'âme, c'est une atteinte. Hein, je le dis parce que si c'est une atteinte, ça veut dire que ça ne se vend pas. Parce qu'on parle de vendre son âme au diable des fois, etc. Donc ça, c'est des concepts pas imaginaires, mais psychologiques. Donc ça utilise des forces psychologiques, hein, comme la magie. Mais là, on parle pas. Enfin, le vrai concept de l'âme, donc c'est une atteinte. Hein, c'est comme faire 1,80 m, ça se vend pas. Vous pouvez pas vendre votre taille, qui est une atteinte. Et ben pareil, vous pouvez pas vendre votre âme, qui est une atteinte. Une fois qu'une âme est perçue, on peut. Ouais. Je te coupe deux Pardon. secondes. Là, le schéma Oui, que oui. je vois là, c'est bien ce que tu nous parlais tout à l'heure, le fait Alors de attends, je change de donner, chat. prendre ce que je partage, savoir si on parle bien de la même chose. C'est bien Ah, il est parti. Non, il est parti. Ah, il va revenir. Je crois qu'il est sur son portable. Hop. Ouais, Ouais, il t'a excuse-moi. Ah, quitté. voilà, c'est bon. Non, c'est pas Ouais, grave. Tu ouais, vois c'est le ça. partage d'écran? Ouais. Donc ça, c'est le Exactement. fait de donner, donner pour donner, donner et recevoir, tu vois, c'est ça? Voilà, exactement. C'est les Ok. quatre phases de la lumière C'est... directe. Voilà. D'accord. C'est bien. Ouais. On est exactement, t'es sur les bons schémas. Ouais, Ok. Voilà. exactement. Bon, bah, je te laisse. Excuse-moi. Et donc, ouais, je disais, donc l'âme ne se vend pas, donc il n'y a pas d'histoire de vendre son âme au diable. On peut bloquer le développement de l'âme de quelqu'un si, par exemple, on l'enferme dans un environnement spécifique. Si je viens vers quelqu'un et que je lui dis que maintenant, ben, toute sa perception du créateur, elle va passer par moi et quelques personnes, effectivement, je bloque son développement et je coince son âme, en fait. Je coince son atteinte. Et je peux pas clairement lui voler. Alors, je peux pas lui voler ça comme je peux pas lui voler sa taille. Je peux l'empêcher de grandir, je peux pas lui voler. C'est important de faire la différence, ça veut dire qu'on n'est jamais foutu. Hein,
je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la magie et etc. qui s'intéressent aussi à la cabale. Et ces concepts-là, ils existent dans ces domaines-là. Donc, à savoir que dans la cabale, on décrit comme ça, on dit, donc l'âme n'est pas quelque chose qui se vole ou qui se vend. Je pense que c'est très important. Donc, les différents degrés de l'âme, c'est ce qui nous permet de recevoir le créateur complètement et de le partager. À savoir que je peux le partager une fois que je le, que je, que je, pour le recevoir, je dois le partager. C'est le sens de l'arbre des 10 séphirotes. Alors, pour l'arbre des 10 séphirotes, je vais vous donner une explication qui est assez simple, que moi-même j'ai reçue et que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai reçue. Donc, comment en fait comment je peux utiliser l'arbre des séphirotes d'une façon pratique. Tout ce que je vais décrire là aujourd'hui, tout ce que je décris, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez le percevoir qu'on peut l'utiliser ça d'une façon pratique. Donc ça veut dire que je peux travailler sur mon ego avec cet enseignement au jour le jour. Du moment où j'ai un groupe, bien sûr tout seul je peux pas le faire parce que je serais dans un monde imaginaire, mais du moment où j'ai un groupe, je peux travailler avec. Donc l'arbre des séphirotes, si vous le connaissez, voilà, il est sur l'écran. Donc en haut on a Keter, donc j'en ai parlé l'autre fois, je vais redécrire ça avec ce qu'on vient de dire, ça sera un peu plus clair. Donc en haut on a Keter qui est la source. Donc la source, alors je vais le décrire. Donc d'abord je vais le faire. Alors comment je peux, donc il y a deux perceptions de l'arbre, d'accord, de bas en haut et de haut en bas, qui sont le même arbre, mais qui sont pas exactement la même façon de le percevoir. Donc, il y a l'éveil d'en haut, qui est ce qui m'arrive, ce qui va me tomber dessus dans la vie pour me réveiller, et l'éveil d'en bas, ce que moi, je vais demander par moi-même pour avoir un éveil dans ma vie. Donc, je vais décrire l'arbre, et vous verrez, des fois, le sens peut paraître différent de ce qu'on entend dans certains endroits. Ouais, c'est parce qu'en fait, les deux sens existent, et c'est des fois pas exactement la même description quand on parle d'en bas ou qu'on parle d'en haut. Donc, tout en haut, on a la source. Donc la source, si vous pouvez imaginer, donc on a parlé de la lumière supérieure tout à l'heure, donc une source de lumière infinie qui ne demande qu'à faire du bien à ses créatures, donc qui demande qu'à faire des cadeaux. Donc on a cette source-là, imaginez donc de la lumière infinie, et juste après donc cette source-là, on a Keter, on a Chochma. Donc Chochma qui va être donc dans cette volonté, donc la lumière infinie qui est Keter a une volonté de faire un cadeau. Cette volonté, ça va être Chochma. Mais Chochma, c'est un cadeau sans forme, en fait. C'est de la lumière, c'est comme du feu flamboyant qui n'a pas encore pris la forme de quelque chose et qui est juste en forme de feu. On ne peut pas le recevoir comme ça. C'est d'ailleurs ce qui a créé la brisure des récipients. C'est le fait que Malchut veuille, désire recevoir la lumière de Chochma et ne sache pas accéder à la condition qui va être, donc après Keter, Chochma, on a Bina, donc la condition qui va être Bina. Donc Bina, la condition, c'est le fait de pouvoir donner. Donc si je me mets dans la condition de pouvoir donner, de recevoir Sam, pour donner, ouais. excuse-moi, je te coupe parce que Bien sûr. je pense que tu devrais, enfin, c'est mon avis, hein, mais avant de Vas-y. commencer par, tu devrais déjà expliquer ce qu'est les trois colonnes. Je pense, hein, Ouais, bah, c'est si tu veux, ok. pour que les gens ils comprennent bien qu'il y a un côté droit, un côté gauche et C'est que. vrai, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'allais le faire après, mais je vais le faire tout de suite. Donc, on a la ligne droite, la ligne gauche et la ligne médiane. Donc, la ligne gauche, c'est la ligne de la rigueur. Donc, sur la ligne gauche, il y a les séphirotes qui sont de la rigueur, de la justice, de la punition et de tout ce qui est structuré, on va dire. La ligne droite, c'est à l'opposé, c'est celle de l'amour et de la miséricorde et de toute cette chaleur et du pardon et tout ça. Et au milieu, on a la ligne médiane, c'est-à-dire que quand je suis en bas à Malchut, je vais naturellement pencher vers la gauche, c'est-à-dire par exemple je vais avoir l'esprit critique, et il faut que je tire à droite. Et quand je tire à droite, je vais jamais arriver vraiment à droite, je vais arriver au milieu. Et au milieu, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va me faire monter d'un niveau. À chaque fois que je vais atteindre la ligne médiane, je vais atteindre la Séphira qui va être au milieu. Donc je vais atteindre par exemple. Là on parle hein, bien sûr de la lutte contre notre égoïsme. Si je lutte contre mon mauvais penchant, donc en essayant de vaincre ma nature égoïste, donc je vais me diriger vers Netzar et ce qui va me faire accéder du coup à Tiferet. Donc Tiferet, quand ça va se réaliser, je vais avoir comme nouveau but, une fois que je serai à Tiferet, c'est comme si Malchut y montait à Tiferet et donc Tiferet, il va se décaler au niveau de Keter. Donc ça va créer un degré supplémentaire qui va me permettre de pouvoir recommencer parce que on n'atteint jamais les trois premières Séphiras. Donc Keter, Chochma, Bina, c'est les Séphiras créatrices qui sont la lumière, en fait, qui sont les expressions de la lumière.
Donc nous, on est dans les séphirahs qui sont en dessous de ces trois premières. Donc on est dans les toujours dans ces trois lignes. Donc on fait monter Malchut jusqu'à Bina en fait. Et en fait Malchut, il arrive pas à Bina, il arrive à Tiferet. Mais il y a comment dire, il y a une difficulté à savoir que selon l'action que je fais, Bina, il peut se retrouver à droite ou à gauche. Sur l'arbre des séphirotes, on le dessine toujours à gauche. Mais si on voit dans le schéma tout à l'heure que tu as mis où c'était des cercles concentriques, Bina est pas forcément placée à droite ou à gauche en fait parce que c'est une condition. Donc la condition, elle peut être très rigoureuse ou elle peut être très miséricordieuse. Donc Bina, il a une liberté de mouvement en fait par rapport à une séphira qu'on voit pas qui est date d'ailleurs. Ouais, voilà ici. Donc la perception des séphirotes, si vous voyez, donc elle est concentrique. Donc on le décrit l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, c'est un modèle dynamique qui est figé à un mouvement. Donc le mouvement figé, c'est quand Bina est à gauche dans la plupart des arbres de vie. Mais le modèle est en perpétuel mouvement, en fait, le dessiner en randonnion, comme ça aussi, c'est un peu plus juste, même si ça nous donne pas une image aussi complète que celle de l'arbre. Moi, je préfère l'image de l'arbre aussi, mais ça permet d'expliquer pourquoi Bina, des fois, il peut bouger et pourquoi il y a tous ces mouvements qui se font à l'intérieur. C'est parce qu'en fait, ouais, les choses sont les unes à l'intérieur des autres. Donc, c'est des récipients les uns à l'intérieur des autres. Donc, je reprends. Tout en haut, donc, on a la source, donc ce qu'on veut atteindre. Et cette source qui va faire un cadeau à la créature, c'est-à-dire lui permettre d'être comme elle. Donc, cette source, elle descend dans Chochma qui va être cette lumière de la sagesse que Malchut veut pour elle, que le Malchut il veut attirer. Mais pour l'attirer, il faut qu'il se dirige vers la condition d'Ambina. Donc il prend cette rigueur là qu'on a dans l'arbre des Séphirotes. Il prend cette rigueur et il arrive donc en passant par Tiferet, donc en équilibrant la ligne droite et la ligne gauche justement, en équilibrant la rigueur et la miséricorde, en équilibrant tout ça, il arrive à la condition qui est Bina, qui va attirer une lumière qu'on appelle la lumière de Chassadim, donc la lumière de la miséricorde. Donc la lumière de Chassadim, c'est ce que je peux recevoir clairement dans ma vie. Je donne un exemple matériel. Je sais pas si je veux une Ferrari, c'est l'autre fois que j'avais dit. Si je veux une Ferrari, mais que je suis prêt à donner une 2 chevaux, bah, la lumière, elle va me donner une 2 chevaux. C'est dans la lumière de Chassadim que je vais recevoir ce que je suis prêt à donner. Mais plus je suis prêt à donner, en fait, et plus la Chochma va pouvoir prendre une forme et remplir mon récipient qui est Malchut au début. Donc Malchut, c'est, je sais pas, mon désir de Ferrari, par exemple. Je prends l'exemple, c'est un exemple matériel, c'est pour que ce soit bien clair, hein, mais ça marchera pas si demain vous commencez à souhaiter une Ferrari en pensant que vous allez la donner et que ça marche. Ça marche pas vraiment comme ça. Hein. On parle bien sûr des désirs spirituels qui sont assez difficiles à décrire parce qu'ils varient beaucoup d'une personne à l'autre, selon notre racine d'âme. Les désirs, ils varient. Mais bon, je prends l'exemple matériel, comme ça c'est assez clair. Donc ce que je peux donner, en fait, je vais pouvoir le recevoir. Donc les intentions et les désirs que je peux avoir au niveau du don, plus je peux les faire grandir et plus je vais recevoir ce niveau-là en fait à l'intérieur de moi et recevoir un plaisir spirituel qui va être supérieur à tous les plaisirs matériels qu'on peut avoir. Hein. Le plaisir spirituel, il est beaucoup plus grand que tous les plaisirs de ce monde. C'est incomparable. C'est même pas descriptible en réalité. Bah, je dirais même que, je te coupe, désolé, mais je Bien dirais sûr, bien même que sûr, bien pour sûr. la pour la plupart des gens qui se posent des questions sur l'existence, c'est justement parce qu'ils ont compris à un moment que le matériel n'était pas quelque chose en soi et qu'ils avaient un besoin d'autre chose qu'ils ont commencé à se poser ces questions-là. Enfin, voilà, c'est vraiment quand tu te rends compte que les plaisirs de ce monde, par exemple s'acheter une télé ou je ne sais quoi, et que tu te rends compte qu'une fois que tu l'as acheté, bon bah ça change rien à ta vie et que t'es pas plus heureux, c'est quand tu explores ces choses-là que tu te rends compte que bah et que tu commences à te poser les bonnes questions sur bah, des questions existentielles sur d'où je viens, quel est le but de ma vie, et ce qui t'amène à faire des recherches et à peut-être chercher un peu plus loin que les apparences et plus loin que les choses telles qu'elles paraissent, quoi. Voilà. Exactement, en fait, c'est cette perception-là au début qu'on a que le désir, les désirs égoïstes, ils sont finis en fait. C'est-à-dire qu'une fois quand t'as faim, une fois que t'as mangé, bah t'as plus faim. Alors que le désir de don, lui, il donne accès à l'infini parce qu'il y aura toujours en face des désirs, le désir des autres que tu peux rajouter, rajouter, rajouter pour augmenter la taille de ton désir à toi, qui fait que tu peux avoir en fait que n'importe qui peut avoir accès au monde de l'infini à travers l'attribut du don.
Et la cabale, justement, elle propose cette méthode de correction personnelle, à savoir que la cabale, c'est ça, hein, c'est une méthode de correction personnelle qui nous permet de transformer notre égoïsme en attribut du don, donc en pouvoir de donner sans réserve. Donc c'est un accès à l'abondance d'énergie divine par la transformation de soi-même. Et c'est censé servir à ça. C'est-à-dire que l'arbre de Mais Séphiroth, sa première nature, c'était ça. Oui. c'est vrai que les gens ont oublié, mais enfin, parce qu'on le fait, on le fait beaucoup plus rarement que de se faire plaisir à soi-même. Mais il est vrai que quand on donne à quelqu'un, donner juste comme ça par on va dire altruisme, par gentillesse, c'est plus gratifiant que quand tu reçois quelque chose, je trouve. En tout cas, enfin, c'est pas du tout la même gratification, quoi. Là, Ben pour ceux qui ont. t'as plus l'impression d'avoir enfin, ouais, je sais pas, d'avoir d'avoir Pour ceux qui ont essayé, je pense qu'ils sont d'accord. Après, c'est un chemin. C'est pas tout le monde qui a cette perception-là. Quand on est encore dans notre égoïsme profondément, ça peut nous paraître comme une folie. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a plein de gens qui arrivent à la cabale avec cette idée de comprendre plein de choses un peu magiques, quand ils comprennent en fait qu'on leur dit qu'il faut rien recevoir et tout donner, ben, il y en a beaucoup qui partent. Hein. Quand ils comprennent vraiment le but du jeu, et ça leur plaît pas Bah, spécialement. c'est un peu, ça me rappelle justement, ça en revient à l'alchimie, comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de parallèles, mais ça en revient à l'alchimie, par exemple, quand ils te disent que si tu veux faire de l'or, enfin, si tu veux apprendre à faire de l'or, bah, déjà, t'es mal barré, et puis que même le jour où tu sauras faire de l'or, bah, t'en auras plus besoin, parce qu'en fait, c'est ça le but. Le but, c'est de se perfectionner à tel point et de casser son ego à tel point que même si tu savais, bah, par exemple, les secrets pour devenir riche, ça deviendrait même plus ton souci premier. Tu vois, ça serait, tu comprendrais que le matériel n'est pas une fin en soi. Donc, ça serait même pas. Donc, ceux qui arrivent dans des croyances ou dans la cabale ou dans l'alchimie en y cherchant quelque chose de matériel et en voulant s'enrichir ou de quelque façon que ce soit, bah, ces gens-là, bah, je suis malheureux pour eux, mais il faut qu'ils changent de voie parce que ils ne trouveront pas leur bonheur. Et la plupart du temps, c'est ces gens-là qui ont fait des mauvaises choses dans l'histoire et qui ont un peu, justement, décrédibilisé et jeté un voile noir sur des choses qui étaient belles en soi, tu vois? Exactement, exactement. Du coup, je repars sur l'arbre. Ouais, Donc, on désolé, je a. t'ai coupé. Non, 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 bien sûr, mais c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Comme ça, je peux m'adapter en même temps. Parce que sinon, oulala, j'ai des heures de description en stock. Hein. Donc, pour l'arbre de Séphiroth, donc pour le clarifier, pour que ce soit beaucoup plus praticable. Donc, en haut, la source. En bas, on peut dire le client, le désir. Donc, le Malchoute, c'est ce qui est désiré, qui n'a pas la possibilité de se corriger lui-même. Donc, c'est pour ça qu'on a l'accès au groupe. C'est parce que le Malchoute étant le fondement de l'égoïsme. Donc, l'égoïsme créé de lui-même à l'intérieur par fondement, c'est l'ego, l'égoïsme, le mauvais penchant. Il faut entre guillemets, la prière, l'attention, la pression d'autres personnes autour pour créer cette malroute et que cette malroute puisse pouvoir évoluer. Ça veut dire qu'on doit se connecter les uns avec les autres, pouvoir prier les uns sur les autres pour pouvoir mettre ce qu'on appelle une restriction. Donc une restriction, donc c'est un autre concept important en cabale qui s'appelle le massar. Le massar, c'est un écran. Donc un écran, je mets un écran sur mon désir, ça veut dire je mets un écran anti-égoïste. Je restreins mon désir d'une façon à ce que je ne puisse pas le prendre pour moi-même. Je sais pas, par exemple, je donne un exemple, si j'ai faim et je veux mettre un écran anti-égoïste, et ben alors je vais pas faire à manger que pour moi, je fais à manger pour moi et d'autres personnes. Donc je mets un écran anti-égoïste qui va faire en sorte que je fais attention d'abord aux autres personnes avant de pouvoir manger quoi que ce soit, et à la mesure de ce qu'ils ont pu apprécier, je vais me permettre d'apprécier. C'est-à-dire, je vais pas pouvoir aller plus loin dans mon ego que ce que déjà en face ils ont pu apprécier, jusqu'à même que je diminue cet apport de plaisir que je reçois en ne faisant que donner. Dire là, à un moment, donc c'est pas dans mon matériel, je vous rassure, on n'arrête pas de manger, mais c'est comme si moi je mange pas, je le fais juste pour les autres. Donc j'utilise un écran pour faire rebondir la lumière. Donc la lumière va se réfléchir, ce qui va créer un nouveau type de lumière et des nouvelles 10 séphirotes. Parce qu'en rebondissant donc sur un écran, la lumière recrée 10 séphirotes, recrée ces 10 phases de la lumière à chaque fois.
Ça Ben oui, parce complexe que, encore. Ouais. excuse-moi, je te recoupe, parce que vous imaginez un peu quelqu'un qui donnerait, qui soucierait du plaisir, enfin du bien des autres avant son propre bien. Ça veut dire qu'imagine, ça serait quelqu'un qui, malgré qu'il ait rien, arrive à donner, tu vois. Et ça, imaginez si ça se faisait, enfin, si ça, parce que ça se fait, hein, il y en a sans doute qui le font, hein. Mais ça devient tellement rare que. Mais si ça se fait, imagine que ça, la personne en face qui reçoit s'est forcée de la chambouler et de l'amener à se poser des questions elle-même. Parce que t'imagines, recevoir, c'est comme si tu croisais un clochard dans la rue et que c'est lui qui venait te donner une pièce, tu vois. Tu te dirais, mais attends, c'est pas possible. Comment ça se fait que ce type qui a rien, il arrive à me donner quelque chose alors que moi, je lui aurais peut-être rien donné alors que j'ai tout, tu vois. Je pense que Exactement, ce serait la correction du monde. c'est justement où là, tu deviens, quand tu fais ces choses-là avec un altruisme comme ça, tu deviens, comme on disait, un conducteur. Tu rayonnes entre guillemets, hein, je dis pas que tu es un saint, mais tu rayonnes de lumière, donc on va pas partir dans le New Age, mais tu rayonnes vraiment de quelque chose qui amène l'autre à s'interroger et peut-être à se changer lui-même. Pour ça que ben, c'est pour ça qu'il est dit que même quand toi tu te changes, tu as une influence toi sur tout le monde autour de toi. Parce Mais que carrément, carrément. tu es relié aux autres et les autres sont reliés à toi, malgré que tu penses toi que non, ta vie ne concerne que toi et tes choix ne concernent que toi, non? Enfin Ouais, bon. carrément, carrément, carrément. C'est le bah, ça va faire justement réfléchir la lumière et ça va mettre la pression sur la personne en face. Quand il y a cette attitude-là, qu'il y a ces intentions-là qui sont mises en œuvre, la force qui est dégagée par un groupe de personnes qui fait ça. C'est la correction, c'est ça la correction en fait, c'est ça la correction du monde, ce serait d'arriver à faire que tout le monde agisse comme ça. Et c'est pour ça, au début, que la Kabbale, donc elle a été en premier, donc la première perception de la Kabbale, c'était Adam, le premier Adam, et on a donc Abraham qui l'a codifié, et Moïse qui a pu l'appliquer à un peuple. C'est-à-dire, il a fallu qu'un peuple prenne sur soi la méthode d'aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire, je ne me préoccupe pas de moi, mais d'abord de mon prochain, et tout ira bien. Et une fois que la méthode est appliquée dans tout le peuple, ils ont pu créer donc cette nation puissante et ce peuple élu, comme on dit, pour pouvoir justement vivre dans ce monde spirituel qui avait été créé entre les membres de cette nation-là, avec toute l'histoire qu'on connaît, hein, qui est décrite dans la Bible, qu'on connaît très bien. Donc je parlais du massar, donc de l'écran qu'on met au-dessus d'un récipient. Donc le récipient, on va appeler ça un kélim, ou le kli, le récipient, et le massar, ce qui va empêcher la lumière de rentrer, qui va la repousser. Et il y a différents degrés d'épaisseur du massar. Donc il y a différents, comme je vous ai dit, il y a le fait de recevoir un peu, puis recevoir de moins en moins, jusqu'à vouloir vraiment donner, c'est-à-dire recevoir juste pour donner, juste pour transmettre la lumière, ce qui va créer une effusion de lumière réfléchie. Et qui va créer donc différents partsoufs, différents corps spirituels, qui vont grandir de plus en plus. Donc on a des différents noms de partouf qui sont Ab, Sagma, Bon, enfin c'est des noms un peu complexes, mais qui définissent les atteintes du partouf qu'on a entre nous, donc du degré de l'âme qu'on révèle entre nous. Donc quand on révèle un certain degré d'âme, en fait on révèle en même temps un partouf, et on révèle en même temps un monde spirituel, et on révèle en même temps des séphirotes qui sont tous correspondants les uns avec les autres. Il y a tous ces discernements parce qu'il y a toutes ces précisions, en fait tous ces détails entre la création des partouf, les désirs, les intentions, etc. C'est pour ça qu'il y a autant de détails dans la sagesse de la Kabbale, et que c'est une méthode qui est clairement scientifique, en fait, qui est d'arriver à transformer son égoïsme intérieur et d'accéder à une science de nos émotions et de nos sentiments et de nos ressentis. Ça fait 1 heure complète là que je décris ça. J'ai encore pas mal de trucs à dire, mais je pense que c'est mieux que je m'arrête là maintenant et qu'on donne peut-être un petit peu. Tout à l'heure, j'ai vu donc Philippe qui disait, ce serait pas une quête de recherche perpétuelle l'atteinte du point situé à l'infini, la plénitude et la sagesse aussi compliquée que les difficultés de la vie ici-bas. Et oui, en fait, c'est tout à fait ça, Ah non, une pas quête de oui, hein. recherche.
Ah Hein. oui, là, on est mon ami. Hein. Donc, Philippe, ouais, Philippe. Donc, c'est une quête de recherche perpétuelle. Alors, en fait, on doit passer par ce chemin pour révéler le monde de l'infini. Mais c'est pas un chemin qui dure à l'infini. Donc, il y a 125 degrés avant d'arriver au monde de l'infini. Ou quand on arrive au monde de l'infini, c'est un autre état. Mais ouais, effectivement, c'est une échelle. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Jacob qui fait monter les séphirotes et les mondes jusqu'au monde de l'infini. Tout être humain, pour simplifier, n'est pas doté d'une âme. Alors, tout être humain a un embryon d'âme, puisque l'âme, c'est ce qui se révèle entre moi et les autres, c'est une atteinte que j'ai, donc il va falloir que je l'arrose et que je la fasse grandir. Tout être humain, il a l'embryon de cette âme-là, mais tout être humain n'a pas une âme développée, en fait. Et donc, le concept de mauvaise âme, alors, une mauvaise âme, ce qu'on appelle une mauvaise âme, c'est quelqu'un qui utilise l'ego d'une façon, désagréable. Mais en fait, une bonne âme et une mauvaise âme, ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que c'est équivalent. Parce que quelqu'un qui va, généralement, dans ce monde-ci, en tout cas, comme on vit entre nous, quelqu'un qui donne le fait aussi par ego. C'est juste que son âme, elle est tournée, que son égoïsme, il est plus dans le don. Parce que lui, ça lui plaît de donner. Quand il se regarde dans la glace, il est content d'avoir donné. Donc c'est pour lui qu'il donne, en fait. C'est comme, vous savez, j'aime bien prendre cet exemple-là dans les couples. Dans les couples, il y a beaucoup de problèmes parce qu'en fait, rares sont les gens qui s'aiment vraiment. Souvent, on aime l'autre parce qu'il nous fait nous sentir bien. En fait, on l'aime comme on aime le poisson pour le manger. Le poisson, on l'aime pas pour lui faire du bien, ou le poulet, on l'aime parce qu'il va nous remplir le ventre. Et il y a beaucoup ça, en fait, dans les relations entre hommes et femmes. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'amicalité, qu'il y a une exploitation du plaisir qui fait que chaque personne s'aime elle-même à travers l'autre, donc consomme l'autre, et en fait, s'aime lui-même. Et malgré les cadeaux qu'il peut faire, les concessions, etc., etc., il fait tout pour lui-même. Donc on a ce concept-là de bonne âme et de mauvaise âme. Donc une bonne âme, c'est quelqu'un qui est charitable, gentil, et c'est encore plus difficile pour lui de comprendre qu'il est égoïste, parce qu'il va se dire, mais non, moi dans ma vie je donne. Ah ouais, il va falloir qu'il cherche un peu plus loin dans le fond du fond de ses intentions qu'une mauvaise âme. Comme on dit une mauvaise âme, quelqu'un qui casse un peu tout autour de lui, il va le voir peut-être un peu plus facilement et il va se corriger un peu plus facilement. Donc la mauvaise âme et la bonne âme sont équivalentes. Un destructeur du monde et un constructeur du monde, ils ont tous les deux un ego. Après, c'est un choix, voilà, c'est un choix qu'ils font. Enfin, pas un choix, c'est beaucoup dire. Mais c'est une nature qu'ils ont qui leur permet d'exploiter une certaine forme qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Il y a un texte de Kabbale qui parle des faiseurs de paix et des faiseurs de vérité et que les deux ne s'entendent pas spécialement. Parce que la vérité, souvent, ça fout la guerre. Quand on dit la vérité, c'est quelque chose qui fout la pagaille et que souvent, pour avoir la paix, il faut des mensonges. Donc, on a les deux qui existent. Mais si tu donnes le monde à un seul des deux, le monde, il est foutu. Si il y a que les faiseurs de paix qui travaillent sur le monde, et ben le monde il avance plus parce que ben on fait la paix tout le temps, donc du coup il n'y a pas de grosse remise en question, pas de révolution. Et si on laisse le monde aux faiseurs de vérité, ben ils détruisent tout tout le temps. Donc il y a un équilibre entre les deux, donc c'est l'équilibre entre la ligne gauche et la ligne droite, comme on disait tout à l'heure, entre les forces du din, donc les gvorot, comment on dit, de la justice, et les forces de recette de la miséricorde qui interagissent l'une avec l'autre. Et donc ouais, je vous disais, donc là après avoir décrit tout ça, je voulais parler des 7 jours de la création et tout ça, mais ça va peut-être être un peu lourd. Je préfère qu'on passe plutôt à s'il y a des gens qui ont des questions ou s'il y a des choses à rajouter, enfin si on peut, parce que déjà c'est pas mal de choses, là on a fait 1 heure en entier. Ben ouais, ou s'il y a Ok. des gens qui veulent monter, peut-être pas maintenant. On va rester sur les questions du chat et on montera un peu plus tard. Parce que si j'ai peur que si on fasse monter les gens maintenant, on sort vite du. Enfin, on prenne vite beaucoup de temps et que tu sois trop fatigué après pour continuer sur le reste. Non, ça va, mais je sais pas combien il y a de personnes qui regardent et il y a des gens, moi Là, je vois pas. on est, enfin, il y en a 7 apparemment qui regardent en D'accord, direct. ok. Donc, on est 7 sur le live pour le moment. Ok. C'est une petite Voilà. classe, c'est bien. Donc, s'il y a des Ouais. gens qui ont des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses peut-être sur quoi je suis allé un peu vite ou j'ai pas bien expliqué, genre, pas de problème. Non, moi j'avais un truc à dire tout à l'heure, mais je me souviens plus trop. Non, bah ça, ouais, ça viendra plus sur les 7 jours de la création quand on aura entamé ça. Ce sera plus sur ce sujet-là, je pense. Sur non, non.
Moi, j'ai à peu près tout compris ce que tu disais. Ouais, ça va, c'est assez Et clair. ouais, non, puis je te. Bah, comme je dis, ça rejoint beaucoup de choses, hein, non, ça amène à réfléchir. En tout cas, bon, il est clair que moi, je me suis toujours dit que les textes n'étaient pas interprétés au sens premier, parce qu'il y a des choses, faut être logique, hein, il y a des choses qui reviennent plusieurs fois, il y a des fois où il y a des mots qui reviennent alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de revenir. Et puis c'est trop profond pour être juste une histoire historique, tu vois. Après, je dis pas que ça n'est pas arrivé historiquement, mais comme on disait, de toute façon, ce qui est arrivé historiquement, il y a forcément, ça s'est forcément passé dans le spirituel avant d'arriver dans l'historique. Donc, ça veut dire que, ben inconsciemment, comme on disait l'autre fois, ben on vit tous, indépendamment chacun dans notre vie, on vit tous notre exode, notre sortie d'Égypte, notre tout ça, tu vois. Mais pas forcément, comment dire, ben pas forcément dans les mêmes conditions, mais intérieurement, on vit tous notre petite révolution, entre guillemets, quoi. Après, il faut juste, je pense, s'en apercevoir et savoir où on en est dans l'évolution de sa vie, à quel passage exactement où on en est pour arriver à travailler sur ces moments-là, enfin, sur ces choses-là, sur l'ego, sur tout ça. Parce que c'est très facile de retrouver les problèmes chez l'autre, mais c'est toujours compliqué de les trouver chez soi, quoi. Et après, même après les avoir trouvés, c'est très difficile de travailler dessus et de les combattre. C'est pour ça qu'on, moi je dis souvent, les premiers démons à combattre, c'est les nôtres, hein. Il n'y a pas de démons extérieurs, il n'y a pas de, enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de forces qui agissent sur les choses, mais je veux dire, les premières mauvaises forces qu'il faut gérer, c'est les siennes, quoi. C'est ces mauvaises pensées, ces mauvaises. Enfin, voilà, combattre avec soi-même, hein, d'où j'en parlais avec un ami il y a quelques jours, justement, le mot vitriol en alchimie, ça veut bien dire bah, visite l'intérieur de la terre, mais si tu le dis comme ça, tu vas dire, mais ça veut rien dire, l'intérieur de la terre, mais en fait, l'intérieur de la terre, c'est toi, ça n'a rien à voir avec la terre, comme dans les textes saints. Par exemple, quand Jésus dit mangez ceci, ceci est mon corps, ou buvez ceci, ceci est mon sang, ça n'a logiquement rien à voir avec son corps et son sang. Faut être logique. Tu te dis bien qu'il n'a pas. Donc il y a quelque chose d'allégorique qui va plus loin derrière. Donc après, il faut trouver l'enseignement qui te permet d'aller plus loin dedans. Et la Kabbale est un des enseignements qui te permet d'aller plus loin. Une des voies. Il y a la cabale, il y a l'alchimie pour certains, pour d'autres, ça va être la franc-maçonnerie, parce qu'il y a toujours cette histoire de groupe. Pour d'autres, ça sera la gnose. Voilà. Alors, je dis pas que tous les groupes sont bons, qu'il n'y ait pas des dérives chez certains ou quoi. Je dis juste que c'est pas parce que des gens se réunissent en groupe que tout de suite c'est des satanistes ou c'est des hérétiques ou je ne sais quoi. Justement, c'est parce que pour pouvoir travailler sur soi, il faut avoir un groupe pour pouvoir se voir dans l'œil de l'autre et voir ses défauts dans l'œil de l'autre, tu vois. Si t'as personne, comme tu disais, si t'as personne en face de toi, comment tu peux te juger, te doser et te apprendre à te contenir sur des personnes que t'aimes plus ou moins, ou à retenir tes émotions, ou tout simplement, ben, enfin, pas supprimer ton ego parce qu'on le supprimera jamais. Mais savoir le maîtriser, on va dire, entre guillemets, parce que, enfin bon, voilà. Carrément, ouais. Et d'ailleurs, si bah, ça rejoint donc à Enzo Serafino, alors je lui fais un clin d'œil parce que il vient des personnes qui me suivent souvent. Donc il a marqué comment connaître ses intentions alors qu'on les pense bonnes. Donc pour rajouter à ce qu'il a dit prima, donc ouais, effectivement, on a deux penchants, et le fait d'avoir un accès au groupe,
C'est ça qui va me permettre de m'observer un peu plus profondément et de créer un manque à l'intérieur de moi pour l'observation. C'est-à-dire que quand je vais prier, ça va réveiller à l'intérieur de moi un manque, créer un manque. Donc je veux savoir quelque chose. Si je prie au milieu du groupe pour pouvoir redécouvrir mes intentions, me découvrir moi-même, pouvoir comprendre là où je me situe, ce que la lumière supérieure elle fait sur moi, que je demande à cette lumière supérieure la force de pouvoir donner. Puisque dans les textes de Kabbale, on nous dit d'entrée de jeu, on est 100% égoïste, on n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut que penser à nous, puisqu'on a un intérêt dans tout ce qu'on fait, même dans le sacrifice de soi, eh ben, il y a quand même quelque chose que notre ego y prend et qui remplit l'ego. Donc on a un ego qui prend 100% de notre perception, mais on ne le voit pas spécialement. Donc il y a une demande à formuler, une demande c'est ça, et la demande, ce qu'on appelle la demande, c'est ça qu'on appelle aussi la prière. Donc il y a plusieurs types de prières, mais ça c'est la prière donc personnelle qui va être la demande. Je demande à ce que soit révélé mon mauvais penchant pour le bien. C'est-à-dire que je ne vais pas révéler mon mauvais penchant pour faire des bêtises. Sinon, je veux révéler mon mauvais penchant pour pouvoir comprendre comment je vais utiliser le matériel pour pouvoir monter au-dessus. Il y a Marine Ultramarine qui a souligné quand t'as dit sortie d'Égypte. Donc dans la Kabbale, ce qu'on appelle la soumission à l'ego, donc c'est Pharaon. Donc on a Moïse qui est le point dans le cœur de notre spiritualité qui vient. Donc Moïse qui vient du mot Moshe, tirer, donc qui vient tirer justement de cet ego l'attribut du don pour donc partir en exil loin de Pharaon, faire toutes les étapes donc donc 40 donc les étapes les 40 ans dans le désert, faire toutes les étapes pour arriver justement à cette sortie d'Égypte et cette sortie de l'exil, arriver à la terre d'Israël, donc Yashar Kel, d'arriver au désir qui va directement droit vers le Créateur. Donc c'est tout un cheminement qui est expliqué, qui passe, comme tu as dit, Angie, à travers, qui se passe à travers chacun. Pas dans la même vie à chaque fois, hein. Si tu le fais, je sais pas, si tu le fais en Chine, en Amérique ou en Afrique, tu vas sûrement pas vivre exactement les mêmes choses. Mais à l'intérieur, le chemin va quand même être le même, c'est-à-dire la révélation de l'ego et la révélation du créateur et le combat de ces forces qui se passent à l'intérieur de nous. Et ce qui est marqué justement dans ces textes-là décrivent entièrement cette bagarre entre ces forces à Ouais, plusieurs degrés différents. puisque ce que j'ai compris aussi, c'est que ben, ce que tu le vois de toute façon dans ta vie, hein, c'est que tout n'est que montée et descente, en fait. Tu as des montées de lumière, on va dire, et tu as tes descentes dans l'obscurité. Généralement, les montées, enfin les descentes sont proportionnelles aux montées. C'est-à-dire que tu peux avoir des très hautes montées. Par exemple, avoir des très grands moments de bonheur, mais derrière, tu sais que à peu près, t'auras l'équivalent en malheur, quoi. Donc, l'art de la cabale, c'est d'arriver aussi, d'après ce que j'ai compris, à atténuer un peu les descentes pour arriver à avoir plus de montées que de descentes, quoi. Donc, d'arriver à transformer peut-être, ben, comme on disait déjà l'autre fois, d'arriver à transformer les moments mauvais, enfin, les moments que tu juges mauvais, parce que c'est pareil, bon, c'est toujours pareil, ça dépend du point de vue duquel on se place, tu vois. Une situation mauvaise pour toi, elle est peut-être pas pour un autre, ou voilà, quelque chose qui nous arrange pas des fois, nous, arrange peut-être des centaines d'autres personnes, tu vois. Donc tout dépend du point de vue, et d'où le fait de ne plus faire les choses pour soi et de regarder un peu plus les autres, c'est que. Bah, ça te fait changer de point de vue aussi. Enfin bon. Ouais, tout à fait. Donc on a pour rebondir et ajouter à ce que tu viens de dire, on a une perception donc dans la Kabbale sur les montées et les descentes qui sont pas forcément liées au bien-être ou au mal-être. Donc une montée, c'est appelé une montée, c'est quand on se sent connecté au Créateur. Donc quand on a ce qu'on appelle un jour spirituel, une journée. Et la descente, qu'on va appeler la nuit, c'est justement quand on est déconnecté du Créateur, c'est quand on croit plus en rien, qu'on se sent déconnecté, qu'on n'y croit plus, qu'on est sorti du domaine spirituel en fait. Donc ça va être la descente. Et à travers ça, donc on a les mois et les années qui se révèlent, donc qui sont des comment dire des cumuls de montées et descentes qui nous traversent et que nous on traverse dans lesquels on passe petit à petit. Donc Kodesh, un mois, ça vient de Hidouche, nouveauté. Donc c'est le retour à un état antérieur.
vers un niveau supérieur, renouvelé et avancé. Donc on a avec toute une, à chaque fois qu'on a une trentaine de montées et de descentes, donc de nuit, on a un mois qui passe, donc une nouveauté qui arrive. Et ça peut arriver pas forcément en un mois physique, ça peut arriver en 10 secondes, hein, si on est très avancé. On parle du Baal Shem Tov qui passait, qui disait passer des centaines voire des milliers de montées et descentes par jour. Donc c'est énorme. Allô? Ah, on l'a perdu. Il va remonter. Ça a dû couper. Alors, Philippe, pourquoi cette symbolique du corps du Christ et le sang du Christ hein, représenté avec le vin rouge? Ouais. Après, c'est pareil. Bon, ça m'en parlera beaucoup plus mieux que moi, mais. Tout n'est que symbolique, il n'y a pas. On s'imagine bien quand on lit la Bible qu'ils n'ont pas mangé un petit bout du corps du Christ, ni. Enfin voilà. C'était une image. Non seulement c'est une image quand il dit prenez ceci, ceci est mon corps, parce qu'il ne leur donne pas de son corps. Mais en plus, il y a une image cachée derrière le fait du corps. Mais ça m'en parlera beaucoup plus mieux que moi. Mais il allait rentrer là-dedans justement sur l'histoire avec Moïse et le déluge. Noé, excusez-moi. En plus, je dis, mais connard. Je commence à être fatigué. Sam, je sais pas ce qu'il fait.